financier de Kinshasa, que le Mosia Yangolo, yakufukisa bana Congo. Inzoketa la mambo ya mbongo, inzoketa la mambo ya budget, tibaina nyonso ya kaka fetifeti keta la mambo ya mbongo. Na kati ya Congo Democratique, tafukana na kati ya inzo yae, samu na kupesa kikesa, kingolo, nyonso tambola na mutinu mosi ya mbote kekota na kati ya ntomosono, beto nyonso. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République de Sao Tomé, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les diplomates ici présents, les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'entreprise Nord-Est, cher Turan, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Une exception aura été faite ce jour à travers l'invitation me lancée par le protocole de m'exprimer au cours de cette cérémonie d'inauguration de cet ouvrage unique dans notre paysage national. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de prospérité par le concours de ses filles et de ses fils et au moyen d'une administration publique régénérée et efficace. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tout un chacun ici présent en disant par ces mots « c'est possible ». Il est possible non seulement de rêver grand pour notre pays, mais aussi et surtout de le rendre plus beau et plus grand par la force de l'esprit et par notre investissement collectif à tous les niveaux, comme en témoigne cet édifice sorti de terre en quelques mois. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'une fois pleinement opérationnel, cet ouvrage produira des résultats très positifs à travers son utilisation, ce dont je me réjouis d'ores et déjà. En effet, regrouper en un seul et même lieu les administrations financières de notre pays, notamment celles du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics. Voilà pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au nom du peuple congolais et au mien propre à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette magnifique réalisation.
La République vous est et vous sera infiniment reconnaissante. Puisse cet ouvrage ne constituer que le début d'une ère nouvelle pour notre chère République et se muer en un réel vecteur de progrès et de prospérité par l'emploi qu'il aura procuré aux Congolais, par la simplification des procédures et le gain de temps qu'il aura fait bénéficier aux administrés, sans oublier la splendeur qu'il aura apportée à notre capitale. Que vive le centre financier de Kinshasa, que vive la coopération Turquie-RDC, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Oui, c'est possible, c'est le maître de la cérémonie de remise des cadeaux de la République dans son grand oral de quelques minutes seulement. Nous allons éviter... Il a dit, cela ne rentre pas dans Monsieur des pratiques maître, protocolaires. Il a voulu dire un mot, en tout cas aujourd'hui, à l'occasion de cette inauguration. C'est un motif de fierté et de satisfaction pour lui qui a conçu ce programme il y a seulement 18 mois. Pour ce qui passait ici, il y avait une espèce de trou noir, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, voilà, 6 bâtiments sortis des terres, visibles en tout cas pour tous ceux qui viennent ici. Et surtout, cette transformation qui s'est opérée, cette... cadeau. Les photographes, soyez prêts. Que le ministre d'État du et le ministre des Finances se préparent pour leur cadeau à offrir au président de la République. Pour la Russie, la Nana Banguna et à Congo. Les ennemis de la République démocratique du Congo. Une séance. Voilà de un cadeau spécial du président de la République. Avec la famille Turan. Voilà, c'est la séance photo en tout cas pour immortaliser cet instant. Voilà les trios qui est dans l'accomplissement de cette œuvre grandiose. On rappelle aux Kinois que le groupe Milvest est en train de construire l'arena de Kinshasa. En tout cas, c'est une des grandes salles de spectacle. C'est du côté du stade des Martyrs pour ceux qui fréquentent l'avenue des Huileries. Ou encore la venue triomphale. On voit également sortir des terres une infrastructure géante, U-Arena. Ils vont également poser pour la postérité. Mouila, M. Yannick Kachila et M. Malken Tabalyongou à se joindre pour la photo de famille avec le président de la République. Je ainsi que le groupe Milvest est en train de construire en ce moment l'arena de Kinshasa. C'est une salle des spectacles qui... Et en train d'être construit dans l'espace compris entre le Palais du Peuple et le Stade de Martyrs. Le même groupe a également arraché les travaux de la Foire internationale de Kinshasa. Cet espace devrait retrouver en tout cas son prestige d'antan avec les manèges et tout ce qu'il
fait le bonheur des enfants. Et ce n'est pas tout, le plus grand projet après le centre financier sera l'aéroport international de Kinshasa, dont on a vu une maquette ici tout à l'heure. Alors, à voir la vitesse avec laquelle cette entreprise exécute ses contrats, on peut croire que dans les 2-3 ans qui suivent, Kinshasa aura un nouvel aéroport pour remplacer l'aéroport de Njili. Et nous rappelons que cet aéroport, même dans des conditions actuelles, a l'une des plus longues pistes du monde, la piste de l'aéroport international de Njili, qui est longue de 4 km, donc plus de 4000 mètres. C'est l'une des longues pistes du monde, nous disons bien. Vous pouvez vérifier, il est plus long que beaucoup d'aéroports africains, malgré l'état peu honorant, en tout cas, de l'aéroport. Mais la piste est l'une des plus longues du monde, et ça, vous pouvez vérifier pour tous ceux qui pourraient douter. Voilà, nous venons là de... Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement, vers le clou du spectacle, parce que dans les minutes qui suivent, nous allons suivre un spectacle éblouissant. Ça se passera en dehors. Vous allez voir le bâtiment de ce centre des finances de Kinshasa, hein, ce spectacle haut en couleur, et qui va donc terminer cette cérémonie. Pour l'instant, on en est donc au niveau de la prise des photos. Tous les acteurs, les membres du gouvernement qui étaient ici et qui encadrent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des photos officielles, des photos souvenirs, des photos de famille, à l'issue justement de cette cérémonie riche en couleurs, celle de l'inauguration. Voilà le chef de l'État qui salue le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, ainsi que la délégation turque des Milvest, n'est-ce pas, cette entreprise turque qui a construit le centre financier de Kinshasa dans 14 mois, n'est-ce pas, c'est une grande première, des 6 immeubles qui sont sortis de terre, notamment les 2 tours jumelles qui sont vues sur la vidéo, 2 tours jumelles du centre financier qui vont abriter justement le ministère des Finances, le ministère du Budget, qui va abriter, ces 2 tours vont abriter également d'autres services connexes du ministère des Finances et du Budget. Et voilà, la délégation va maintenant prendre part, assister au spectacle qui sera offert juste en dehors de cette salle de congrès. Il y aura des feux d'artifice, il y aura également des jets d'eau. Et pour vous dire qu'au-delà des aspects financiers de ce centre financier de Kinshasa, c'est en même temps un lieu d'attraction, un lieu touristique, parce que du haut de ces 15 étages, n'est-ce pas, cette tour, ces 2 tours, offrent une vue panoramique sur le fleuve Congo et même sur la ville de Kinshasa. L'entreprise Milvest, après justement la livraison de l'ouvrage, hein, parce qu'il va livrer l'ouvrage aujourd'hui, cette entreprise Milvest, l'entreprise turque, va construire l'aéroport d'Njili, va réhabiliter la foire internationale de Kinshasa Fikine, va également construire un aréna, donc une enceinte sportive, un peu comme l'aréna de Paris. Nous aurons aussi l'aréna de Kinshasa, une enceinte, un complexe où peuvent être organisées des activités sportives, où peuvent être organisées même des concerts. Les 1200 invités qui étaient dans la salle de congrès sont en train de suivre le président de la République en ces moments. Ils vont s'installer devant, tout autour de la fontaine, pour voir de près ces spectacles haut en couleur qui va marquer l'inauguration du centre financier de Kinshasa. C'est qui est en train d'être salué par le président de la République. On salue ici les infrastructures, on apprécie la qualité des infrastructures, mais surtout, on applaudit la vitesse de travail. 7 immeubles en l'espace de 14 mois. Donc, le président a raison de dire qu'il est donc possible de faire des miracles dans ces pays.
Il est possible de transformer notre environnement. Il est donc possible d'avoir des méga-infrastructures. Donc, ce qui a été fait par Milvest ici donne des idées, en tout cas, au président de la République. Mais déjà, on sait que dans les 6 mois, nous aurons le Marriott Hotel, en tout cas, l'un des labels prestigieux dans le monde d'hôtellerie qui va atterrir ici à Kinshasa avec quelques 2400 chambres de luxe, avec 4 suites présidentielles. Il y aura également des suites juniors et tout ce qui fait d'un hôtel 5 étoiles, c'est-à-dire que 2 piscines suspendues sur les hauteurs, des salles de réunion, des espaces commerciaux, des restaurants de luxe, des boutiques de luxe également. Bref, tout ce qui fait tous les conforts reconnus à un hôtel 5 étoiles du label Marriott. Et pour l'instant, donc, c'est ce centre, cette salle de congrès, cet amphithéâtre de 3000 places extensibles. Nous rappelons que c'est 3000 places extensibles, donc on peut augmenter la capacité. Et je crois que dans sa forme finale, nous aurons toute la pleine capacité de ces lieux de prestige. Pour l'instant, nous allons recevoir le signal de notre régie qui se trouve de l'autre côté. Il s'agit bien du spectacle Haute en couleur. Et nous allons donc nous positionner. Et voilà, nous allons donc, en attendant d'avoir les signaux de l'autre côté, pour voir ces spectacles inouïs qui nous sera donc proposé tout à l'heure. J'ai 3000 emplois, n'est-ce pas? Juste la construction du centre financier. 3000 emplois, dont 1800 Congolais et 1200 Turcs qui ont travaillé de jour comme de nuit pour nous offrir ces beaux bâtiments, ces 6 immeubles. Vous avez suivi le président du conseil d'administration de Milvest. C'est eux justement qui ont construit le ministère des Finances de la République de France. Ils ont beaucoup œuvré dans plusieurs pays à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est le tour de la République démocratique du Congo. Moi, vous savez, ce sont des gens qui travaillent, qui font un travail de fourmis. Hein, pendant que les uns sont en train de dormir, eux, la nuit, ils travaillent avec leurs camions pour acheminer les moellons, les caillasses, le sable, les ciments gris. Et voilà, aujourd'hui, dans 14 mois seulement, dans une année et 2 mois, et aujourd'hui, Kinshasa est doté d'un centre financier. C'est une grande première, un peu comme à Washington, les centres financiers de Washington, les centres financiers de Paris et d'autres grandes villes du monde. Et la RDC en a un, Astrid au Congo. Kweli watu wasikizi wapenzi watizama wapenzi wa television ya raia, mnatoka kuona hapo nyumba kubwa yenye kwani magorofa 6 kubwa kubwa imetoka kujengwa muda wa miezi 14 tu. Pia ni shirika hiyo ya Uturkia, ya shirika Milvest Company ya Yura ndiye iliweza kabisa kujenga na iliweza vile vile kuunda makazi kwa wakongomani, sababu zaidi ya wakongomani 1800 waliweza kupata kazi, pia waturki zaidi ya 1200 waliweza kutumika kabisa kwa kuweza kukamilisha majengo ya magorofa hizo kubwa kubwa 6. Na kati ya magorofa hivyo utakuwa manyumba ama mashirika yenye kuhusika na kuingiza pesa katika mfuko wa serikali, pia wizara wa pesa utaweza kuwa katika magorofa hizo, wizara wa budget, pia makazi zingine za DGI, DGDA na vile vile DGRAD wataweza kuwa kabisa katika magorofa hizo kwa kuweza kutumika kazi yao vizuri, kwani majengo ya magorofa hizo kubwa kubwa 6 ndani ya mji wa Kinshasa inaonesha kweli kama ni kufanya ni kupenda. Wakati unapenda kufanya kitu, ni sherti utaweza kuikamilisha. Pia katika magorofa hizo kutakuwa vile vile kuna hotel kubwa yenye itakuwa na vyumba vya kulalia yapata 215. Basi kazi hiyo
iliweza kujengwa muda wa miezi 14 tu. Haikuchukua miaka miwili, miezi 14 tu, ni kusema mwaka moja na miezi miwili. Basi ni kazi kubwa kabisa yenye iliweza kufanyika. Lakini kuna kutokana tu na mahusiano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uturkia, kuna makazi ingine yenye itaweza kuendeshwa vile vile, sawa vile majengo ya uwanja wa ndege ya Njili, kweli matengeneo ya Fikine, yani soko kuu ya maonesho ya Kinshasa, na kuna vile vile majengo ya arena, ni kusema ni nafasi moja ya michezo yenye itaweza vile vile kujengwa huko pembeni ya uwanja wa Mashahidi. Ni kutokana tu na mahusiano hiyo ya Uturkia, ndiye makazi hiyo nayo itaweza kukamilishwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi PCA wa shirika hiyo Milvest Company wa Turkia aliweza kabisa kusema na aliweza kutoa ongea kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kazi hiyo yenye anatoka kukamilisha kabisa muda wa miezi michache tu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile aliweza kusifia kazi yenye waliweza kufanya na anatoa shukrani kabisa kutokana na mahusiano ya Uturkia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu makamilisho ya majengo hiyo ya mafuso sita yenye imetoka kujengwa ndani ya mji wa Kinshasa, yani centre financier ya Kinshasa. Oscar Kahn. Merci beaucoup Astrid de Congo. Rigobert Poulet du Congo. Nous allons, avant de prendre justement la deuxième de cet événement, avec l'inauguration justement de ces centres financiers. Il y a quelques campagnes de Zolo, le bête auquel est la commune de Gombe, à Wanda Kifumo Kinshasa, Pene Pene, et Simona Simona.